avant année ça a fini, mesdames et messieurs, Pierre Espérance, monsieur a pris un bois calé quand même, parce que monsieur a bat colla dans un niveau qui est ben monté toute plume sous deux populations haïtiennes et qui a demandé qui ça ti Pierre gagne, qui ça passé monsieur, pour qui ça monsieur gagne problème à commissaire Muscadet, pour qui ça monsieur a nuit Muscadet comme ça. Eh bien, raison simple, c'est parce que Pierre Espérance, mesdames et messieurs, eh bien, monsieur gen gang pal nan pays ya. Et nèg doazi men sa yo, si pays ya pa gen insécurité, eh bien, yo pa bjoun rapport, yo pa bjoun dossier, yo pa bjoun cause pour yo parler. Eh bien, je dis là, Pierre Espérance, monsieur a bat kol nan au niveau là, eh bien, qui dépasse, mesdames et messieurs, et population haïtienne là, a mobilisé avant longtemps ou ap tande Pierre Espérance, monsieur prend yon bois calé, parité ak bois calé, parce que yon nèg tan kou Pierre Espérance, qui non cité dans assassinat Jovenel Moïse, non monsieur cité dans un pile dossier louche nan pays ya, et puis vire tourne kap ouver bouche li nan cause moun, vire tourne kap pale cause krimol. Et bien, je dis là, Pierre Espérance, monsieur se bo bim nan même l'abdomi, parce que sacrété pour monsieur tomber en bas, li pa en pile, et population ap met men sou monsieur quand même, si toutefois que, et bien, pa pose nan dossier Muscadet que l'a mandé pour évoquer. Parce que peuple là qui remet Muscadet, mesdames et messieurs, quel que soit ça ou ta di mal de Muscadet, yo pa kwe li, et toute décision ta kap pren contre Muscadet, eh bien, yon même yap campé en quoi pour défendre le commissaire gouvernement Niplan Muscadet. Gary Koni, monsieur entré dans le pays, ya, et faut qu'on toujours dit en tout, monsieur a rentré et le tout rentré à une équipe blindée de nouveaux équipements pour la police. Là. Bon, comme nous, Kenya entré dans le pays, ya, ne yon pas fait un, yon, c'est vrai que ne yon met pio à terre, yon devant l'ambassade américaine, yon parisé, yon fait tout affaire. Mais, on bandit pour qu'on tombe. Au contraire, MPM dans lui-même, il fait une déclaration claire là par rapport avec deux inspecteurs police qui tombaient à divers autres monde. Ils vont au message tout, by moon et donc qui victime, mesdames et messieurs, dans le cyclone qui se passe là. MPM dans lui-même, monsieur dit Zach criminel ça et donc il condamne lui et il a fait tout ça dépend de lui pour le capable de faire une réponse sadique avec malfrats ça yo, et ben qui yo même retiré la vie des inspecteurs police ça. Nous allons inviter ou attendre tout détail dans vidéo ça. Restez connecté TV la caille, bonne écoute, n'a tourner. C'est marcher sous monsieur. Marcher sous l'homme non. Pierre Espérance pas gagné droit pour la figue nous encore. C'est pas moment pour n'attendre et parler de Pierre Espérance encore. Nous a toute dérive qu'il fait avec directement comme qu'il prend la main boulos pour petit nous mourir dans pays jodiant même les li sanctionné partout mais au style kembe dans dans pays quitter dans dans pays parce que nous un peuple qui pour courir sur monde que nous pas veut Pierre Espérance pas se poser dans figue nous encore si n'a fait pays c'est une monde pour nous exécuter Pierre Espérance pas gain droit dans figue peuple haïtien encore nous pas qu'à faire pays nous voulons faire pays nous voulons changer pays. Et puis, n'attendez pas Pierre Espérance dans la radio encore. Non, même les là, le cachet, faut que nous joignions. Nous ne pouvons pas quitter un mode monde comme ça. Parle. Surtout, que c'est lui-même qui tête en Haïti pour parler des droits de l'homme. Pendant que son grappiaille, que nous ne reconnaître, nous ne pas bailler droit, et qui travaille pour l'Occident, et qui monte des dossiers et détruit le monde dans le pays. Je dis à des gens que nous constatons, nous comprenons bien, nous, qui pas si posé dans la société encore. Regardez tout ça que le président Jovenel Moïse a fait, Pierre Espérance te connaît, même lui-même t'a pris rendez-vous, chita avec moun pour manger, président Jovenel. Ouvrez les yeux, nous. Si nous avons droit de l'homme en Haïti, est-ce que vous pensez que c'est nous-mêmes qui t'a venu redire, je dis à faire tout travail ça, pour nous capables de décrier contre l'Occident? Si nous avons des gens qui t'a protégé une nation, qui a parlé d'un pays, nous pensons que c'était nous-mêmes, je dis là, ou même qui est international là, ou même qui a mis des cobs, ou même qui a aidé pour nous prendre des avocats, pour nous prendre des si, pour nous aller à joindre des frères qui comprennent que c'est nous pour bataille. Haïti, nous n'avons pas de monde pour représenter nous. Nous n'avons pas de personne. Des nègres comme Pierre Espérance, ce n'est pas monde que nous capables d'attendre dans la société encore. C'est des dérives qui ont fait. Mais moi, je demande de nous ouvrir les yeux. En aller plus loin, en aller. Avant que nous venions sur dossier cap crasé international là, cap bay américain en pile problème, rentrer, non pas jamais
supposé pas dire président Jovenel merci. Merci que nous venons recevoir nous samedi. Je commence évidemment par vous et sympathie à tout le monde dans le sud qui, je dis, a la sinistré à cause du cyclone. Prière nous avec pensée nous pour vous. Je profite tout pour me saluer famille, amis, camarades, deux policiers qui tombaient encore une fois en bas balles assassines dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. En profiter vous et sympathie ma famille yo. Dis que y a pris de prière nous. C'est toujours un bail qui est très difficile pour un responsable à rentrer. Une première nouvelle yo baou, c'est que dans des circonstances difficiles où gen jusqu'à présent cap victime dans conditions qui tout à fait inacceptables. Mérite engagement moi que police la fait toute seule capable. On fait ce genre de situation, ça y est, il y a un suspens. Alors, but rencontre nous aujourd'hui, c'est pour nous parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Là, pour qui ça nous allait, ça nous allait chercher, ça nous poté, et pour qui ça l'important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi persuadé que il y a quatre bails qui pourraient arriver pour que nous réussissions la transition. Le premier bail, c'est que faut que toute société haïtienne soit engagée. Nous avons quelques milliers d'hommes qui sont en otage, plus de 12 millions de personnes. Nous avons une situation où nous avons une élection, nous avons une situation où nous avons des gens qui souffrent. Le premier bagage, c'est que les Haïtiens mettent ensemble, la société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour nous plus efficaces, pour nous reprendre le destin en main, pour nous réussir la transition. Deuxième bagage qui est important pour nous réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Je dis que nous avons hérité des institutions là à côté. Yo excessivement fragile, moun yo perdu volonté de travail, en pile moun pati, moun ki pou pren décision l'institution yo pa la, police la goumé a zon li très souvent. Donc deuxième partie important, c'est que nous renforcer capacité instrument nou gen yo pour nous capable adresser problème que nou gen yo. C'est yon nan bay ki très important pour succès crise la. Troisième élément ka pede nou réussir la crise là, c'est comment nous pouvons travailler et utiliser avec un pile efficacité une pile de zame instrument que nous avons, qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à moi, ils ont avion plein à craquer et qui ont cherché des gens pour travailler avec nous, des gens pour aider nous, des gens pour supporter nous, des gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons, que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santégué, le pays a pas la situation que l'IA. Pourcentage, nous avons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous avons très souvent décousu, pas aligné avec la réalité de vivre. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une pile d'autres crises à travers le monde. Les pays qui sont habitués à nous accompagner, ils ont même tout, ils ont des propres problèmes qui ont fait face à eux. Ils ont des préoccupations par eux. Le projet Haïti a son projet, ils la donnent depuis longtemps, 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 ils n'ont jamais fait. Donc il y a une pile de raisons pour lesquelles que depuis quelques... Il y a là, oui. Et de côté, là. Le devant ambassade américaine. Oui. Le devant rentrer ambassade américaine. Ça veut dire que l'ambassade de l'encontre, mais avant nous. Hein? Comme si l'ambassade qui était pour un goût sécurité avant nous, là. Hein? Ah, l'ambassade américaine qui était pour un pal papa. Il est un groupe en sécurisant l'ambassade là. OK, moi on va regarder là. Il a posté plusieurs côtés. Nous on est capable n'a pas là pas contre goutte. Donc ce sont des policiers kényans qui déployés dans zone ambassade américaine et capacité de sécurité. Donc comme on dit nous, c'est check cap fait. OK. C'est check cap fait. Qu'on y a il faut que moi dise nous tout pendant parler avec nous là gagner dans week-end ça même supposé gagner de matériel qui vient pour venir renforcer
pas venir renforcer nous pour préparer déploiement total capital troupe là. J'aime dire déjà pika nous plein parce que nous beaucoup grand chose parce que c'est 200 monde qui là sur 2500. D'accord? Donc faut que nous tenons. OK? Et 2300 pour arriver et qu'il y a un problème. Pour qu'il y a boum avec manifestants. Donc il est obligé de gérer tête on va gérer nous. Il y a l'autre pays qui est pour faire contribution et comme nous connaissons hier, il y a l'ONU qui a une rencontre. Et côté que il y a demandé très clairement pour que le pays qui dit qu'il y a moyen yo, et plus que quoi yo? Ah oui. Le pays qui dit qu'il y a moyen yo, plus que quoi yo? Et pour capable permettre que force arrive même déployer. OK. Et non, l'ONU, j'aime dire, ils ont exhorté la communauté internationale pour capable qu'il y ait des promesses de financement que quelqu'un pour bailler.